Salut à tous, ici Super Canin aussi appelé Saiyan, c'est parti pour le 20e épisode de Pokémon Victory Fire. Un dernier épisode, on avait battu la fille qui était devant la grotte. Oh, le son est bizarre. Bon, là, c'est pas grave. On s'en branle pour une fois du son. Alors, qui se vais-je mettre en premier? Je vais même illustrer, étant donné qu'il est un peu en retard niveau nouveau. En fait, on va très bien. Bon, un combat en duo, ça faisait longtemps, tiens, perdu. Attends, c'est qui le deuxième? Je sais plus. Il y a Pikachu et Kalion contre Lustré et Colossinge. Bon, l'attaque, une attaque étincelle sur le Kalion et une attaque point karaté sur le Pikachu. On a eu déjà 20 épisodes dans cette Let's Play de Pokémon Victory Fire, oui. Moi, je pense qu'il va faire au moins le double, au moins 40 épisodes, voire plus, hein. Justement qu'au troisième bail, hein, faut dire. On va sans doute bientôt arriver au quatrième. Je pense qu'à début épisode 25, on sera arrivé. À moins de jouer, c'est bien, 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 bien. Oh non, je suis désolé de t'avoir laissé toutes nos économies de banque. Et encore un numéro de téléphone dans le Pokénav. Allez bah, allez bah. Alors le jeu est sorti en 2012. Hein. Je sais, on s'en fout, mais bon, petite anecdote qui ne sert à rien. J'ai quand même pris 10 ans, hein. Enfin, 10 ans pour faire un jeu, je pense. Mais je sais pas combien de temps ils ont pris, en tout cas, ils ont fait pour la suite, parce que Pokémon Victoria a une suite qui s'appelle Pokémon Revolute. Resolute version qui est sorti cette année. Bon ça, le dojo il se fait défoncer. Vous comprenez là, je suis un petit peu peur. Je suis vexé maintenant. Tu veux chanter avec moi? Non. Brandy. C'est pas un mot pour un garçon, ça, Brandy. Le bras Brandy. Oh mon dieu, un Filali! Ah, vous savez à quel point j'ai galéré contre un Filali. Oh putain, le Filali de Wood. De Wood! Au moins, je crois que j'ai pas passé autant de... C'est le champion où j'ai passé le plus de temps. Synthé, mais t'as toute ta vie, espèce de débile! Dragon. Lèche! Ça y est, il est bigleux. Le fil à Libigo. Ah, il m'a enfin touché. Bouah, il est en train de crever. Il dit, ah bah putain, ça fait tant que je le touche, bordel. Dragon Clash. Vous avez niqué le joueur en deux reprises. Et je suis fier de moi en plus. Brandy, oh petit, calme-toi. Tu me dis pas de me calmer, wesh. Tu me dis pas de me calmer. Hey, j'ai enfin mon hobby et de collectionner les dragons. Tu veux que je te montre ma collection intéressée? Tu sais ce que t'as, c'est 6 dragons, c'est le nom de ta HM. Non, c'est pas le nom de HM. Un coupe-note. Allez, on va envoyer sa forme évoluer. On va envoyer sa forme évoluer. C'est clair qu'avec une attaque... Fauchage, tu vas faire tout les gars. Dragon Clash! Quel les ouf! Niveau 38, c'est pas mal. 106 en attaque, pas mal. En même temps, son attaque est grâce à sa nature, son attaque est augmentée. Hein. Rappelons que en 6H est brave. Son attaque est augmentée, sa défaut et sa vitesse est réduite. Bon, ça n'est pas très utile. Hein. Si. Ah, en soi, je ne le frappe pas en premier. C'est juste le défaut. Hein. Mais en soi, je frappe très très fort. Je suis juste un collectionneur, pas un dresseur. Je m'en fous. Et ben, en plus, il me donne son numéro de téléphone. Comment il s'appelait? Jacques. Et ben, j'y Jacques. Alors là, je sais pas où je dois aller. I'm lost. I'm lost.
dans la forêt. Je n'ai pas regardé un seul épisode de la série Lost, hein, bien sûr. Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas de quoi ça raconte. Ah si si, je m'en souviens de quoi ça raconte Lost. J'ai juste en fait que ça part en couille à un moment, mais après... Ben... L'herbe et ouais, c'est du... Ouais, c'est de l'herbe et toi, Smooth. Ah, c'est le nom d'un célèbre youtubeur, Smooth. J'ai un accent pitoyable. Smooth! Smooth! Attaque Sparky! Sparky! C'est le nom du Pikachu de Richie, ça. Les noms de ses autres Pokémon à Richie, il n'y a que Sparky que je m'en souviens, et son Red Tensei, je sais pas comment il l'a appelé. I'm lost dans la forêt. I'm lost in the forest. Un dojo. Bon, on va passer le niveau lycée. Attends qu'il va... Non, pas encore. Attaque Sparky. Attaque Sparky, ouais. Presque niveau... En même temps, lycée est au dernier stade de son évolution. Ah bah voilà, j'ai trouvé le bon chemin. Tu veux te battre encore ce Mousli? Faudrait vraiment que je sache ce que ça veut dire, Mousli. La Mousli. Péri. Tu vas t'es périné. C'est nul. Alors c'est un petit peu plante, mais je vais pas envoyer Lugilabre parce qu'il est trop faible. Donc du coup, on va envoyer Spiritomb. Magic Lift. Feuille magique en français. Endors-le. Swift. Ah, une attaque de parfum. Sans menos bras. Ah bah ça marche du premier coup de nose. Bon, une fois que j'ai de la chance. Bah bouffe-lui ses rêves. Bouffe-lui ses rêves, dis donc. Dreamaster. Et vos rêves. Presque one shot. Et je récupère toute ma vie. Bravo Spiritomb. Pour un esprit, pour un Pokémon qui possède 108 esprits, tu te débrouilles bien. Pour le moment, il n'a pas encore appris une nouvelle attaque, Spiritomb. Lol, le Roserat, il fait un bruit de... Je sais plus ce son. Je connais pas les sons par cœur. Je suis pas un connaisseur à ce point. Vous êtes battu périmé, oui. Et me donne de la jambe délicieuse à jeun pour m'acheter des Pokéballs qui ne me serviront à rien. On va foutre Colossinge en tête. Hello, je te chialé, brave enfant. Brave enfant. Mon brave Dylan. Dylan, je t'aime. Le mec il s'appelle Dylan, sérieux. T'es un gentleman Dylan. Manquerait plus Kevin le gentleman. Bah alors Dylan. Smoke Cream. Ah bah j'aurais pu le mettre KO avec Colossus, hein, je pense. Parce que plus la défense Typhlosion. Tiens, remarque le nom anglais de Typhlosion, c'est Typhlosion. Ça me fait gaffe, tiens. Bon, en japonais c'est pas Typhlosion, hein. C'est quand même neutre, c'est bien quand même, je trouve ça... Bon, on va gagner du temps, dis donc. Ah, je trouve bien ça, étant donné que Dracofo, son nom anglais, c'est Charizard. Et que, bah ça, il faut que ce soit typosé en anglais ou en français, bah c'est bien. Ça sert à rien, mais bon, c'est juste pour remeubler. Bon, Crocodile, par contre, c'est pas le même nom, hein. En vrai, les français s'en sont pas cassés le cul. On va... Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom? Ah bah on va pas chercher, on va l'appeler Typhlosion. Ouais gros. Tu vas trouver ton nom, et en plus j'ai son numéro de téléphone. Ouais, Dylan, bien ou bien. Ah, y'a quelqu'un sur le pont. Bien sûr, je me fais agresser par un... Un pachygeon. On tourne jouer à Call of Duty. L'OSICAM. Je vais courir toute la journée au... N ? Attends, mais il faut quoi là ? Ouais, mais...
Si vous le reconnaissez, c'est... Ben, vous le reconnaissez si vous avez joué à la 5ème génération. C'est N de... Comment on peut dire ça? Ouais, son nom, mon nom c'est ça, ouais, comme... Je reste... Il m'en est, allez, quand même... N, bah dis donc. Alors, pour le résumer un petit peu, pour décrire un peu le personnage, N est un petit peu un... C'est le roi de la Team Plasma. Ah bah voilà Max, tiens. C'est le roi de la Team Plasma qui capturera le Pokémon légendaire opposé à la version. Par exemple, dans... Ah, il capture... Ah punaise, je crois qu'il est en noir, il capture... C'est Chrome. Ouais, noir, et tout nous, on capture Régiram. Et ensuite, on le revoit dans Noir et Blanc 2. En fait, il a pour but de libérer tous les Pokémon du monde. Ouais, c'est pas vraiment un méchant, hein. Je crois qu'il arrive à parler avec les Pokémon, N. Son vrai nom, c'est Natural Gropius, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. Oula, il va mettre KO mon Colossinge, Sorachu. Saut de résistance, mais dis donc. Oula, qui va t'en agresser. Ah, j'ai de la chance, surtout. Et donc, c'est vraiment un personnage que j'apprécie, N. C'est pas un méchant qui a pour but de détruire le monde, hein, comme Lissan dans XY ou Giovanni dans Rouge. Bah, le but de Giovanni, c'est surtout de faire de l'argent. Hein. C'est pas vraiment un méchant N qui a l'intention de détruire le monde. Au contraire, il veut le libérer. Et ensuite, t'as la possibilité de capturer son putain de dragon en Noir et Blanc 2. Parce qu'il y a une petite erreur, une petite anecdote qui ne sert à rien encore une fois. Dans le dessin, dans le dessin animé, dans le jeu, on dit que Gettys, lui, c'est le vrai méchant, hein, lui, et le père de N. Or, dans aucun cas dans la version japonaise ou américaine, il est cité que c'est son père. C'est vrai, ils se ressemblent, mais ils ont eu tous les deux les cheveux verts, mais non, ils sont pas pères. Hein. Y a rien de marqué dans ça, dans le... Bon, là, je viens de battre un électrode, et là, c'est un Voltali. Ouais, bah oui, je sais que c'est Voltaï parce que c'est un nom, un Pokémon qui finit par un nom, ou comme il utilise que de type électrique. J'en ai vu que c'était Voltaï. On en a déjà compté un Voltaï. Hein. Alors, pourquoi j'ai envoyé Masco, j'en ai aucune idée. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Alors, chez Grincement pour baisser sa défense. En tout cas, c'est un très bon personnage, N. Ils ont pensé à le mettre chez Wins 158, c'est une très bonne idée. Puis il y a du ACH en plus. Par contre, j'aimerais pas voir d'autres personnages de noir et blanc. Ça fait une... C'est sûr. Ouais, c'est clair que j'ai pas envie de me remanger Iris. Vous savez, je crois que c'est genre le troisième épisode que j'ai montré à quel point j'aimais bien Iris. C'est la pire maître de la ligue de tous les jeux. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses à Team Mirage? Je les ai vus tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire dans leur base? Je dois trouver ce qu'ils font. Allez, au revoir. Énergie, enfin. Ah oui, attends, c'est marqué quoi? Marble City, la city de Hobgloom, est la capitale... Vous êtes dans la capitale de Tyrone. What? C'est la capitale de Tyrone, Marble City. Bon, j'en déduis que tout a l'effet de marbre. C'était nul. Ah bah oui, je confirme, c'est bien la capitale, étant donné qu'il y a un centre commercial Big Mac Lyon. ça veut rien dire. Idea con. Idea.co. Mais tu vas pas te occuper, j'ai pas le temps de parler avec toi, trop de balles. Bonjour, je suis Monsieur Idée. Si je dois refaire des fossiles, c'est ici que je dois aller. Bon, je leur parle pas à tous, on fera ça sans doute dans l'épisode 21. On visitera en plus en détail la vie. Je suis sûr qu'on trouve The. Qui en The Signe encore. Mais qu'est-ce que tu crois? Il y a un pic noir. Marché noir en dessous de cette. Le marché noir, ok.
Monsieur Glace, le shop de Monsieur Lunette, d'accord. Et j'obtiens une CT, d'accord. Qu'est-ce que j'ai eu comme CT? Ah, tunnel. Ah bah, je crois qu'il n'y a aucun de mes Pokémon qui peut apprendre tunnel. Donc ça sert à rien. Ah, le centre Pokémon, c'est ce que je cherche en gros. Et déjà bientôt 15 minutes de vidéo. Ouais. Arrive va être, c'est pas pour je vais faire quelque chose, hein. Je sais pas s'il va être aussi long que il va faire 40 minutes, non je pense pas qu'il soit qu'il va être aussi long. Du coup on va bien visiter Marble City. Qu'est-ce que je me suis acheté une guitare avec mon argent et j'ai décidé d'être mon combat contre un. J'étais battu par un enfant. Ça a... Ah ok, c'est un membre de 4. JVC c'est que. JV c'est que. Je sais pas ce que c'est, je comprends. Ah! Kanto et Sino. Qu'est-ce que c'est? Il y a un rapport entre Kanto et Sino. Oui, il y a toutes les références à tous les jeux. À tous les jeux. Ah, tiens, il y a un chemin. Attends, c'est un menu à ce chemin. Volcano Spast. Old Lady Shof. Ah oui, je suis au notre tour. Une autre ville plutôt. Le gamin BR. Tranquille. Un Colombo. Comme par là, j'ai un type de combat face à lui. On va envoyer un type électrique. Hein. L'affinité des types. On doit jouer. Je serai. Air Cutter. Air Cutter! Grao, Grao. Graou, Graou. Alors. Le problème de Lucerae, c'est que c'est pas un mauvais Pokémon, c'est juste que la moveset horrible. Son moveset, il est horrible. En gros, son moveset, c'est les attaques qu'il apprend, ou qu'il peut apprendre. Il est juste horrible. Il apprend rien. Il apprend vraiment rien. Alors là, en plus que on est dans la 3ème génération, il va vraiment rien apprendre. On va foutre Funicier, étant donné que c'est celui qui va... Puis il va souffrir Funicier. Parce que la prochaine arène, à ce que j'ai compris, c'est une arène haut. Oui, tu dois franchir les caves du mont Skyfall. Ah, j'ai pas regardé, c'était catch- ce qu'elle disait était très important. Ah bah tant pis. Célina, qui a mis le coude. Oh ah ouais, là ça envoie du lourd, niveau 38. En même temps, ils ont qu'un Pokémon, donc me dis, bon, ça va, hein, je suis pas trop en retard. Ouais, le champion actuel, donc Lucerae et Junko me sont très utiles. Qui sait, Masco va peut-être m'évoluer en Junko contre, dans cette arène. Ils me seront très utiles, Funicier, au pas moyennement, il ne sera pas très utile. Voire pas. Splinter, bof, Colvin, ça dépend. Si j'ai en face de moi un petit peu rush, hein, ça me pourrait être utile. Vous avez battu le top dresseur, c'est bien. Vous m'arrivez à ruiner mon achèvement de mon entraînement. Oui, j'aime détruire. Mon Skyfall. Alors, bah là, il faut force. Le mode, l'homme, attention, le mec, c'est l'homme. Il me donne la CT force, paru. Et je suis The Gen Bug, Witch of the Way. Ouais, en gros, il faut le badge Wave pour utiliser force. J'en avais compris, Jean-François, hein. Bon, maintenant, il faut trouver la reine. Je me sens motivé pour péter le champion. Ah bah, ils sont là, et il y a Sacha. Il y a le brave Sacha qui est présent. Bon, d'abord, on va soigner nos Pokémon, parce que je sens qu'on va affronter Sacha. Et je doute qu'il ait encore seulement son Pikachu. Oui, parce que la dernière fois qu'on a affronté Sacha, il n'avait que Pikachu. Il m'avait explosé là, quand même, avec son seul Pikachu, il m'avait défoncé. Alors là, on va essayer de minimiser nos chances. Ah bah, la reine était juste là. Un grand pou. Qui c'est lui? So, Sacha, qu'est-ce que tu veux avec moi? Oh, bien sûr, après, vous êtes un bon gars. Qui es-tu, enfant? Pourquoi tu nous écoutes? Tu veux changer le champion de la reine? Désolé, mais le champion n'est pas ici, il a pas vu que autre chose. Eh, hey, mais c'est toi, salut ça!
On avait planifié de chercher Samuel, le champion de l'arène ici. Tu veux, t'aimerais bien avoir une bataille avec moi? Sacha du lourd palette veut se battre. Il a encore qu'un Pokémon. Pikachu niveau 43, ah ben Dieu. Ah ouais, mais à ce niveau là. Bon, on va envoyer son nom quand même. Oh la tape fatale foot dans ma gueule. Hein? C'est même presque même one shot. Non putain, waouh. Ah ouais, mais il est puissant quand même. En même temps, c'est un critical hit. Hein. Excuse du jour. C'était un critical hit, c'est normal qu'il m'ait retiré plein de pieds. Mais j'imagine pas s'il était pas résistant à la foudre. Slam, je sais pas ce que c'est. Je joue à Slam. Fatal Foudre, encore une fois. Résiste. Putain, il m'a explosé. Bon, là, je suis mal. Bon, on va envoyer un Pokémon qui résiste à la foudre. Dungeon Junko. Attaque l'infoil. Oui, attaque l'infoil, plutôt. Oh, punaise, je suis plus rapide que lui. Pas mal. Eh merde. Oh. Il me fait Slender, je suis mort. Bon de Dieu. Oh, il échoue. Oh putain, j'ai du coup. Je suis cocu aux arrières. J'ai de la chance les gens, j'ai de la chance. Ah, je mets que. Mais j'ai de la chance. Quoi? Mais il rapporte rien. Putain, mais niveau 43, mais encore une fois, putain, et putain, mais il est riche, Sacha. Mais tu es vraiment fort, vraiment. Je vais m'en souvenir, je vais ne jamais abandonner pour te battre, toi. Mon but est de devenir un champion de maître Pokémon. Nice, il s'appelle Damien. Mister Samuel, viens avec nous pour un coffre et un attaque vol. Ah, bah, on est sur le bateau. Non mais, si vous en souvenez, il y a un bateau près de la fontaine magique of Doom. Ah bah il rentre dans... Il y a un coffre qui rentre dans le truc, je rentre dans le... Ah bah mes Pokémon sont pas soignés. Je rentre dans le bateau, allez fuck. Ah, enfin, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On explorera le bateau dans le prochain épisode. On va d'abord défoncer la gueule à ce Bobby. Ouais, bah ouais, ça se confirme de ce que je pensais. Ce champion est un champion de type O, donc je vais m'entraîner bien plus ici. Alors là, bien sûr, je peux pas les entraîner. Hein. Je pourrais pas l'entraîner étant donné que là, je suis dans un bateau, il y aura très peu de Pokémon à battre. Ouais, il y a 3 niveaux quand même. Ah, bah, je suis pas très loin hein, du même niveau qu'eux. Hein. Avec Hypnose. Ah bah là ça marche, même pas d'échouer. Ouais, on affrontera ça et on va un petit peu pour explorer ce bateau et après on finira cet épisode. Ce sera un petit épisode mais bon, 25 minutes je me visais. Bon là il fait bientôt 24 minutes donc ouais, 25 minutes c'est bien pour un épisode comme celui-là. Bah c'était le temps que je m'étais fixé au début de l'esprit, hein, 25 minutes, donc après il y a un épisode qui dure 40 minutes. Allez, mais il est KO. Il est KO ou il est pas KO? Parce que... Non, il lui reste un point de vie. Non? Ouais, il lui reste un point de vie. Bon, une attaque feinte, hein. Ah non, il se réveille pas. Bon, bah j'aurais pu faire une attaque niveau 1. Bah s'il a un tentacle brûlé, le champion, je vais pas dire non, hein. J'en vois... Spiriton, mais c'est bon, on n'est plus personne. Niveau 33, finissir. Encore une dizaine de niveaux, il évoluera en Mélancolus. Ouais, je sais pas ce qu'il a dit. Bon, on va explorer un petit peu les cabines du coin. Et on va mettre Spiriton en tête. Ah, il a pas soigné mes Pokémon, ce connard. Ils sont juste dit ouais, Pikachu c'est un Pokémon de merde, tout le monde va le battre facile. Ouais, bah j'ai perdu quand même mon incisage. Bon là y'a rien. Là c'est fermé.
Blade. Ah, peut-être que la cabine est submergée, qui sait. Hein. Ah, ça me rappelle l'épave dans Windows. Bah, c'est copié-collé. Hein. Alors, il n'y a rien. Non, on peut pas se dormir dans le lit. Bon, on va aller au début du bateau et on va mettre fin à cet épisode. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé cet épisode 20. À bientôt pour l'épisode 26. Salut!